situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo reste toujours préoccupante aux sociétés civiles. Yaruchuru a annoncé dans l'opinion ou bien informé dans l'opinion que M23 a eu l'attaque contre le FARDC et le Congo. D'autant plus que le Taliban a eu le Congo pour renforcer le M23. Le Bongo cri d'alarme. Il y a la société civile Yaruchuru juste pour éveiller encore les autorités congolaises et les autorités. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a dit que la République démocratique du Congo ne va pas négocier avec le M23 parce que le M23 n'existe pas. Il n'y a que l'armée rwandaise sur le sol congolais. Voilà, ils n'avaient pas mis ma main, dit qu'un mot beta. Il y a Jean-Marc Kabound encore touché par les inconnus. Oyo, saccagé siège Nabango après minuit. Il y a dimanche, rester toujours dans la position de Bango. Et ça y est, Bango, ils ne sont pas intéressés dans ma camouana, puisque ils sont très concentrés dans l'élection en 2023. En fait, ils ont fait encore président, donc on a un deuxième mandat. Et puis, ils sont très préoccupés. On a tourné le secrétaire général de Bango, Augustin Kabouya. Et alors, ici, on va se poser la question RDC Monde TV, na tout le monde est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en termes d'actualités. Il y a aussi des membres de la démocratique du Congo, Ticket Kimia, et vous mettez là, un grand merci à mes membres News, il y a RDC Monde, et un grand merci plus précisément et particulièrement à ma Pauline Mumba, présidente de RDC Monde, et papa Peggy, Mbote Nabino, et vous mettez là, sur les partout, Baye Braza. Bah, il y a l'Allemagne, bah, il y a l'Angleterre, bah, Congolais, aux États-Unis, la France, bah, Congolais, aux États-Unis, bah, Congolais, aux États-Unis, bah, les États-Unis, bah, pour n'importe quoi, bah, pour n'importe quoi, bah, tant qu'on y est, ni les amis collègues, et c'est ni en fait que Mboka et Kende Liboso, c'est vraiment très bien. Nous vous félicitons pour cet amour-là envers notre pays, Pamadzali Likabonzambe. A Pessa, à Bissoto, Sireva, Sentio, Pamate, nous avons développé la société, nous avons développé la société, nous avons développé la société sécuritaire à l'est de la République du Congo, Kassi. Avant la côte, nous avons développé la société, du Congo, sur le sécuritaire à l'est. La République démocratique du Congo, après l'Assemblée nationale, c'est maintenant le Sénat. Il a prorogé Bongo état des sièges conformément à la Constitution. Ça ne sert à rien. Quelques politiciens, surtout les députés, élus, il y a tout ripé la Nord Kivu, ils ont conduit toujours au 7 ans par rapport. Il y a la prorogation, il y a l'état des sièges. Vu le résultat, selon Bango Balobi, ils allaient penser convaincant Kassi. L'air est grave, comme on a toujours dit, et ça fait que avancer, ça fait que augmenter. Il y a eu le son de cloche du président de la société civile, il y a Rutshuru, na Nord Kivu, pour interpeller les autorités en disant que Bakomona, Bibundeli et le Taliban ont renforcé M23. Tout ça pourquoi? Parce que malgré l'accord, malgré tout ce qui s'est passé, même dans l'Assemblée générale, il y a Nations Unies, la République démocratique du Congo reste très serein, reste très déterminée à ne pas négocier avec le M23. Parce qu'on a tous compris qu'il ne s'agit pas vraiment de M23, mais il s'agit de l'armée rwandaise. Yango, même le porte-parole du gouvernement avait aussi dit, donc ça a eu une notion de cloche, c'est ah ok. Nous n'allons pas négocier avec le M23 parce qu'il n'existe pas le M23 sur le sol congolais, mais il existe plutôt l'armée rwandaise Namabele Nabissou. Raison pour laquelle le M23 va renforcer l'armement.
ami ma mon soir à inventer à ton ami pour qu'ils aient tellement ma casse, ils aient tellement sophistiqué. Oh, bah, on va rose à un côté, au bisou de rose à un côté, mais bango, bango renforcera bango. Moi, je me suis toujours posé la question sur ces dossiers en disant si quoi, y'a banan, il n'est pas ravité à Batoua, nan, à Manouki. Parce que Monusco a tout Gutierrez salobi a évité. Pour on dit on bande au camarade Mokili. Mais bien évité que Minduki ne goûte raté. Mais Minduki est rocota. Bah il se décivil va annoncer na ba kondi. Les forces vaticales est toujours aux aguets. Même position. Pour la roger là, ni yo bango na biso ba ngi ko sala. Mais déjà nenge société civile annoncer boyer, c'est une question de réveiller encore, d'éveiller encore. Équipe Oyo tu kokota na tête, il y a armée en boka na biso, le général Christian Tchouwe qui nous vous salue, nous vous saluons avec beaucoup de respect, mon général, de faire encore plus. To yemi ke na mitai bongo mampinga ba stratégie interne, on peut jamais parler de ça ici parce qu'il va donc l'omiso ba na biso. Mais nous espérons de vous des résultats palpables sur terrain. Pour ba jona senti bien noté monte zalé. On veut pas parler de ça ici. Il y a ba ngondo de roloba. On ne compte pas la bise, c'est chez Bissot. Parce qu'on m'a dit que c'est un peu de il y a retour, il y a un peu de monde. Sur les côtés, il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde. Mais il y a un peu de monde qui a battu sa stratégie pour compter carré. Nous espérons et on va résister à ma lame, on va faire des essais. Et nous interpellons aussi déjà au bas côté. C'est quelque chose. Pour ne pas pallier si vite. Parce qu'on ne peut pas dire ici, sur ces plateaux. On ne peut pas dire ici, là où vous êtes, on a mis ce que non. Bounaga est irrécupérable. Jamais. C'est notre pays. Mabele Nabiso est que vous êtes récupérable. Alors, pour nous être récupérable, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut accélérer, de multiplier des stratégies. Je vais cambia si kaya armé parce qu'il y a eu des traîtres. Je me suis battu dans le bazar à 4, je me suis battu dans le bazar à 4. Parce qu'on a juste changé. Mais il y a des traîtres. La raison pour laquelle, si on fait stratégie, même nakat na bomba kamba on betra se jimu nakat jante pote ma mso ngena ko trahir. On va voir ce que ça va donner parce qu'on peut jamais dire bané la ngoto ko ba te no bunaga na zali récupérable. Non, ça doit être récupéré parce que c'est chez nous 4 mois déjà, nous avançons vers 5 mois et on a aussi beaucoup parlé de ça et nous attendons des résultats, mon général Christian Tchouwe, parce que c'est vous le patron de l'armée. Ça résister à madame Congolais ba hôtel abino TV les amis bongo radio T. Nous vous laissons de suivre la réaction de Jean-Claude Mabanzi aux amis bongo président il y a société civile il y a Routchuru oyo à la cri d'alarme na bakondi oyo a annoncé dans l'opinion nationale et internationale que Bayam 23 va vous aller ravitailler na mando qui pour préparer bongo à attaque mon corps juste c'est caché c'est pour faire le nom. On va pas ici faire comme on a un gros succès parce que bah donc on a mis sous bataille natine à mon côté par rapport il y a un ami micro bagosan à mon côté sur la démocratie du Congo mais bah dévoiler bango en disant que bah autorité bah c'est là quelque chose pas mbatté bah donc on a mis sous bah vous allez raviter c'est vous allez le logo mongo x ou y tout la magie qu'on m'a bandé et puis on se retrouve tout juste après. Parce qu'il y a cette suspicion. Non seulement on sait que les métros continuent à se renforcer en armes et en munitions, même avec l'appui d'Ardier et UPDF, ils continuent toujours à se renforcer. Et puis que la voix de cette de l'État a été claire en leur disant qu'il n'y aura pas de négociation. Ce qui a troublé à les camps du M23 et ils continuent maintenant à se renforcer. Bien entendu, de notre côté aussi, en tout cas, les militaires sont aussi prêts. En tout cas, ils ne peuvent pas se laisser faire par ces bandits. Bref, il y a vraiment un calme précaire, mais ça n'exclut pas que d'un moment à l'autre, les armes peuvent encore une fois commencer à crépiter. Est-ce que Bounagana est imprenable? Non, je pense qu'on n'a même pas besoin des avions. C'est question de stratégie seulement. Donc, par rapport à la force du M23, c'est des gens qui n'ont pas vraiment une force de tenir devant les FARDC. Bon, je pense qu'il y avait un problème de commandement, il y avait un problème de l'organisation aussi des FARDC. Pour l'instant, je pense qu'avec ce qu'on a vécu comme changement, si on y met du sérieux, alors je pense qu'on n'a même pas besoin des avions pour buter et au-delà de mieux ces bandits. Congo mon pays, Congo Mbokanangaï, Togo Tikate, Togo Lekate, Togo Limbafe, Togo Lomila. Chez le sécuritaire SRV Mouadi Congo, le temps puisque la solution jusque-là est zoamité parce que c'est très préoccupant. Hein, et c'est très préoccupant. Nangambou Yabakambi Yamboka, chef, le porte-parole du gouvernement, Mouyaya, Patrick Mouyaya, devant la presse, Mokolo Malobi, a talisé qui détermination du gouvernement. Nakoboya kosulana ba M23. Atelise ki détermination ya gouvernement ya ko appuyer ba Mampinga par rapport à résultat au Basai durant cette période et ce qui lui doivent encore ajouter ya ko sala pour que Kimia écoute totalement
Bah, les Cambouya Kosolo, na ba IM23. Ça, c'est le point que je vais marteler sur ça parce que, bah, quand mes amis sont attali, bah, paramètre, n'y a so. Bah, mon, que derrière M23, il n'y a rien. Les M23 en question n'existent pas. Il n'y a que l'armée rwandaise. Quand si n'y a 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 population congolaise a habité en général. C'est vraiment quoi? C'est aussi une question qu'on se pose parce que nous avons aussi Rwanda. Nous avons aussi notre Congo. Mais nous avons tous sur la nini parce que les accords, nous avons ça les manque. Bah si nous avons ça les manque, bah sommes nous ça les manque. Comment ça la position est claire? Tu respectes l'intégrité territoriale. Tu respectes bah mon yélo moi école et bamboka namboka. Même en termes d'exploitation des ressources naturelles nabiso. Tout le monde a Patrick Mouyaya. Dans le dossier, Oyo, le Nkani a tenu à la Congo, il a peuple le que Mokana Biso, ils allaient prêter. Ils ont intéressé, ils ont appelé à mon côté, il y a un Solana M23 par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est République démocratique du Congo. Je pense que c'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que la M23 existe. Alors, si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23? De toute évidence, ici, pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui nous pourront nous permettre de trouver le résultat. Mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple, à Bounagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix, des négociations, où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie décente pour nos populations. Nous voulons que les Congolais se déplacent moins, parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc, il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les Massissiers, dans les autres parties de la province du Nord-Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question. Voilà, c'était là la réaction. Et à mon amour, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, toujours par rapport à la situation sécuritaire, il y a la République démocratique du Congo. Et il y a un peu de mutualisation sur ma question. Où en sommes-nous avec la mutualisation des forces FRDC et IPDF? Où en sommes-nous avec la réalisation ou les actions? Il y a force régionale. Na sol congolais parce que l'armée kenyane, il y a déjà. Na l'armée en bokam soupe déjà, il y a déjà. Tout ce qui est un processus et un an. Bah, résistant à un groupe de bazar déjà à Wayao. C'est maintenant plus de trois semaines, donc presque un mois. Bah, résistant à un groupe sur terrain, tout comme on a tient. Parce que la population a posé comme on a clair. Armée à Kenya, et y'a qui awa, ils ont mis à noter. Et y'a qui awa, on pense que bazar déjà. Sur les planifications et les tactiques. Population va rosier là. Bataille en amour, qu'est-ce qu'on bat? Déjà, il pense que Goumoko Yamabe, n'a pas mon action, n'a pas réaction, il y a président actuel, ou à remplacer Ouru Kenya, Tanamboka Kenya, raison pour laquelle on a eu à réfléchir ici pour dire que ça ne promettait pas vraiment, hein, résistant, on a, ben les groupes, ça peut être, plutôt, réaction, on a topé, le lingue, il y a Bouzali, il y a président, là-bas, non, le lingue réaction, chef d'état-major général, là-bas, on a ça, ah, et puis ça, il y a eu ce mot absurdité, hein, parce qu'on va, il peut nous attaquer, il peut nous faire ça, la pacification. C'était déjà absurde, on avait aussi les temps pour réfléchir là-dessus, mais aujourd'hui, la population se pose une question à savoir, où en sommes-nous avec l'armée, la réalisation et l'armée et les forces régionales? Il y a beaucoup de choses par rapport à la minimité de la situation sécuritaire. Est-ce que, tout comme nous, on a est-ce que, on va travailler, est-ce que, on va est-ce que, pour mettre dans le dossier où il y a vraiment de la mer à boire, aux poussées, monsieur, au Congolais, te réfléchir tout haut pour chercher des mécanismes parce que déjà 4 mois, c'est trop. Nous allons vers 5 mois, Bounagana occupé et, bah, on va raviter à la Mandouki. Tout ça, comme tout, non? Jusqu'à quand? Balatini, c'est le texte qui est latin, quos quo tandem. Jusqu'à quand? Tu vas côté la carabango, tu vas parler de défensif. Non, non. On doit faire quelque chose. Donc, ce que j'avais dit ici au début, nous espérons, la générale Tresson Chiwewe, faire quelque chose pour faire aussi la différence. Mais si nous avons dit que le dossier, on a pris la nini ou pesa, nous avons dit que le bazar, on va inviter un peu de manouki. Il faut aller se faire la nini. Tu vas côté la micro-lisa, on a. On ne peut pas dire ici, dans le bien, trois fois que Bounagana est irrécupérable. Non, ils ont beaucoup de cannabis.
Nous espérons voir un changement. Nous souhaiterons aussi voir la différence. Il y a beaucoup de l'engue à Kosali là, l'armée, il y a Mbokananga. Et parlons politique à présent dans cette analyse. Il y a une question qu'on se pose sur le plan politique. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'affaire Kaboul? Est-ce que les camps Kaboul créent des dossiers juste pour se victimiser? Est-ce que les structures de l'UDPS, Bangone Barossala Makambouana, la force du Pogrena, pour anéantir totalement Kaboul? Question mark. Mais ça fait qu'augmenter. Parce que les mamans du parti de Jamar Kaboul, le dimanche, ils sont menacés. La police a été gaz et a été pour nous prendre la bataille. C'est des bons bâillons. On avait analysé sur ça hier. Et quand on a mis les gens à Boutou, on a attaqué le parti à Kaboul. Je me pose la question. Et Zali, le lingé à Bahi, parti à Kaboul, va dire pour ça, on s'en a comme on l'a dit. Quand il y a le président, quand il y a le président, il va menacer le parti et disparaître. Je me pose une question, M. Soussou. Est-ce que l'UDPS, ça s'appelle l'intérêt? Il y a un lugar qui menace le parti à Kaboul, tant qu'on me dit pourquoi. Na kotumba na kopanda na kobebisa question mark et banani ne bazako sala yango. Je me suis posé plus de 4 questions et au finish les ma question sont retourna moi même j'ai eu encore réfléchi pour dire arrêtez de nous distraire botika ba kongomani na distraction parce que jusque là Kaboul n'est pas égal à Tshisekedi parce que jusque là Tshisekedi n'a pas aussi intérêt à attaquer Kaboul bayi il des personnes balongo ça va partir ba mbaza et belé. Oui, bon, admettons que c'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on attaque Kaboul? Pourquoi est-ce qu'on attaque le parti de Kaboul? Parce qu'il y a déjà en cas de prison. Qui connaît le nom du secrétaire général? Il y a parti à Kaboul. Dans le but, il y a un parti à Kaboul. Mais il n'est pas assez connu dans la scène politique. Il n'est pas aussi influent dans la scène politique. Mais pourquoi nous présenter de telles choses? Si c'est vrai que c'est vrai aussi, on le menace. Mais vous qui le faites, si vous êtes aussi dans la structure, il y a 4 IDPS, voyez-vous pas que vous donnez Béki dans Kaboul? Et je réponds à toutes ces questions pour dire ce sont des distractions. Bah, Imboka, baza très concentré, na miyazali bongo motuya na hotel Imboka na biso. C'est une sécurité à Est, c'est très préoccupante. Na politique. Bolenge la miya maponomi, les alipes vraiment, vraiment, vraiment préoccupantes, les préparations des élections. Pas maté, beaucoup de politiques vont bouler comme élections. Et, tant que vous avez parfois, vous avez élections aux apôtres, vous avez affirmé, ici, je ne suis pas le porte-parole de la CENI, qu'il y aura des élections. Nous avons ça, pour vos agitations, pour vous quitter la banque, pour vous quitter la banque, pour vous quitter la banque, pour vous quitter la population. Et c'est ici. Pour moi, une occasion de dire à la population d'être vigilante, d'analyser le discours sur la politique, d'analyser le discours sur la journaliste, sur la députée, les lots, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? Parce que bientôt, on va vers vous pour nous rencontrer Sabino. D'analyser le langage conseil là, il y a pouvoir en place, la gestion, il y a un mot actuel après Kabila. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en 2023. D'analyser la manière de faire des politiciens en général. Le incarné basara va coalition pendant 42 ordres. Le incarné basara et ben ça maïele en 2023 congolais ben ni nako sala tant donc qui n'a pas urne. Parce que dans l'heure où vont les choses, beaucoup de gens vont nous mettre sous voter. Les diasporas qui sont à l'intérieur, combien de femmes bako sibino que vous allez voter. Et la loi électorale, oh yo, bah le bébé les camarades que vous allez voter. Mais nous verrons, tout le monde peut l'élection, le bio non. Il n'y a pas possibilité. Jusqu'à quand? Mais pour la mienne, nous sommes la formule ENA. C'est le temps pour nous, les Congolais, de réfléchir sur tous ces points-là. Que de voir tout ce que nous voyons dans la scène politique, comment on a. C'est ça, on a bêti, on a ping, pou. Côté qu'on a, quand il y a ce qui va nous, c'est le pont. Côté au pont, on finit, c'est les Congolais qui perdent parce que. À l'Est, il y a une préoccupation qui nous intéresse. Même dans l'Ouest,
mpanzi ya maindo metisiko yo kominde ba batuna ba jeune na ba teni na ba arme ko attaquer police. C'est très sérieux aussi. Et sur la scène politique, il y a que des points ou des sujets qui n'intéressent pas vraiment la population. On va voir, parce que le parti Kaboun, le camp Kaboun a promis de porter plainte avec le temps, bako éclairer opinion en disant naniné bako porter plainte pour agresser bango deux fois. L'UDPS s'est dit de ne pas être intéressé par rapport à ce qui se passe. Tout autant la microsale koya, qu'est-ce que ça va nous donner par rapport à ces dossiers? Dans l'entretemps, merci de nous donner confiance pour s'informer. Nous sommes là pour vous donner des actualités sur le Rwanda, sur la République démocratique du Congo. Boti kabala mon kimi nzemi mbela mon botabino. Merci na fanu tshwaka. Merci na maman pour le monde. Merci na papa Peggy. Merci tabino banse mon bonabi so pour s'informer. Boti kabala mon kimi nzambi ewu mela o maboto mabino. Kotonga Congo ezali kambuna ngai. Likambuna yo, likambuna ye. Yango tozo benga bino boya, bandeko na biso boya. Tozo zela bino boya, toko yamba bino ki toko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Kanida qui vous salue et vous présente le bilan des RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. 100 000 pour commencer notre premier projet grand duo et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.